Bonjour à tous, bienvenue sur Mistral TV. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Papilles Curieuses. Je vous emmène aujourd'hui dans le nord de l'Ardèche, près d'Annonay, au domaine de Saint-Clair, où nous allons retrouver le chef Édouard Christodo, chef du restaurant W, qui va nous faire découvrir sa cuisine créative. Allez, venez avec moi. Bonjour Édouard, merci de nous accueillir dans ce magnifique lieu donc, du domaine de Saint-Clair. Mm-hmm. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce projet et comment tu es arrivé ici? Comment je suis arrivé ici? Alors c'était en octobre 2014, le domaine de Saint-Clair cherchait un chef et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est de rencontrer un monsieur extraordinaire qui s'appelle Jean-François Gobertier, qui est mon patron, qui me laisse m'exprimer au quotidien dans une cuisine vraiment axée sur le végétal. Donc on travaille la plante, la racine, comme on a pu le voir, on est vraiment très vegan. Axé là-dessus et Jean-François m'a donné un outil qui est vraiment tourné autour de cette cuisine et dans un environnement qui est juste magnifique. Donc tu as aussi, en dehors de la cuisine proprement dite, pu t'exprimer aussi sur la conception du lieu et des cuisines. Bien sûr, pour un cuisinier, c'est une chance extraordinaire parce qu'effectivement, il m'a laissé carte blanche sur tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de jeunes chefs en France qui peuvent avoir cette chance-là et d'avoir un outil pareil. Oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment un visuel et une identité propre à ce restaurant. Qui est marqué, oui. Donc voilà. Donc déjà le W, peut-être tu peux nous expliquer. Oui, le W, c'est le W de mon prénom. Et on a vraiment joué avec les ciseaux, des doigts en main d'argent, tout cet univers qui moi, m'entoure au quotidien. Et après, comme je disais, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a un monsieur qui nous suit au quotidien, qui est avec nous. Et ce monsieur-là, pour moi, c'est vraiment un grand homme. Donc il y a ce visuel aussi effectivement d'Edouard aux mains d'argent. Tout à fait. Est-ce que comme le personnage, voilà, tu essayes de partir dans cette créativité, ce décalage? Alors finalement, effectivement, je pense que l'univers d'Edouard aux mains d'argent, c'est quelqu'un déjà qui est très créatif parce qu'avec ses doigts, on le voit dans le film, il taille des sapins. Après, moi j'adore avoir un, comme je dis souvent, sublimer un foie gras, sublimer une truffe, sublimer du caviar, c'est des produits qui, avec un peu de technique, se sublime très facilement. Mmh. D'arriver à te vendre du rêve avec un radis au beurre ou avec une betterave, c'est là que ça va se compliquer. Et c'est là que moi j'adore, justement, c'est mon terrain de jeu, c'est pouvoir provoquer une émotion chez le client. L'emmener dans un voyage qui est mon voyage et lui faire découvrir des choses. Des choses assez inattendues. C'est ça. Merci Édouard de nous accueillir dans tes cuisines aujourd'hui. Donc on va réaliser avec toi plusieurs recettes. Tout à fait. Donc par quoi on commence? Parce que c'est la surprise pour nous. Ici on est en Ardèche, donc j'avais envie de te présenter une recette qui tourne tout autour de la châtaigne. Mm-hmm. Parce que nous, notre travail, il est simple, il est autour du végétal. Donc je vais sublimer la châtaigne, justement, mais avec un morceau de foie gras. C'est-à-dire que le foie gras va devenir l'accompagnement de ma châtaigne. Ma pâte, je vais la mettre dans mon cul de poule. Donc le gruyère de cacao, je vais le brûler, mais ça va m'apporter, ça va être un exhausteur de goût justement en le brûlant, parce que ça va m'apporter ce côté très suave, très forestier que peut avoir la châtaigne. Donc le gruyère qui est donc en fait la fève de cacao. La fève. Tout à fait. Donc là, ça change déjà le complètement, goût. Ça va complètement changer le goût du cacao. Je sais pas si tu le sens là. Oui. Ou si tu le sens là, au niveau déjà de la structure, une fois qu'il est brûlé, si tu veux, il est déjà beaucoup plus torréfié. Il y a vraiment une odeur fumée. C'est ça. Donc ça, je vais le rajouter dans la pâte. Mon marron. Je vais lui mettre un peu de sel, très légèrement, et une goutte d'huile de sésame. Alors je fais de l'huile neutre, je prends de l'arachide, je fais torréfier du sésame noir que je rajoute dedans. D'accord. Et au niveau de l'odeur, ça me permet vraiment d'avoir quelque chose de très subtil. C'est plus doux que l'huile de sésame pure. Je vais mélanger ça à ma pâte. Là-dessus, je vais rajouter deux tours de sarawak, deux poivres de sarawak. Oui, donc il y a un poivre qui a quel alors, parfum? Il est assez puissant celui-là. Au niveau du goût, tu vas avoir quelque chose de très piquant en bouche et qui va être très très long. Parce que là, clairement, on a quelque chose. On a cette odeur de sous-bois avec la châtaigne, on a ce côté très, très torréfié, très corsé avec le cacao, et là le poivre va t'apporter la longueur, tout simplement. Donc là, équilibre. Voilà. Alors mes châtaignes, je vais les faire torréfier. Moi, pour les faire torréfier, j'ai arrêté la casserole, parce que je trouve que la casserole n'apporte pas assez
de saisie au produit, de croustillon au produit. Donc pareil, toujours, prochain humour. Je vais leur mettre une goutte d'huile dessus à chacune. Et tu vois, je vais vraiment bien les brûler pour avoir quelque chose. Ce côté caramélisé un peu. C'est ça. Bah là, ça va te rapporter un peu. Je sais pas si ta mamie te faisait ça sur les tartines de pain de beurre un peu à la flamme, mais ça va être exactement le même goût. Ce goût un peu très très brioché, très très long et très suavant. En même temps, le cœur va rester quand même assez Très moelleux. Très moelleux. Tout à fait, c'est le but. Alors j'ai essayé avec mes doigts, mais ça fonctionne pas. Bah disons que ça fonctionne qu'une fois. Ça fonctionne qu'une fois. Alors pour notre foie gras poêlé, moi la technique elle est très simple. J'assaisonne pas mon foie gras. Ça c'est la règle. Donc je vais assaisonner par contre ma poêle, ce qui va lui permettre d'éviter de coller justement à la poêle. Parce que ça colle quand même. Un foie gras. Malgré le, le grain. Ça peut justement, malgré le grain, ça peut justement coller et accrocher dans le fond de la poêle. Donc moi je vais utiliser déjà une tefal, mais en plus de lui rajouter le sel, un, je vais apporter l'assaisonnement, et deux, je vais éviter ce côté justement où il peut agripper dans le fond de la poêle. Et donc pour ça j'utilise des escalopes. Donc j'ai pris mon foie gras, j'ai juste tranché, j'ai fait des tranches d'à peu près 60 grammes. Donc le foie gras tel quel. Tel quel, nature peinture. Comme je dis souvent, faut saisir le produit. Mmh. C'est-à-dire que là, tu vas voir, il va commencer, ma poêle va chauffer, elle va commencer à faire une légère fumée. Ouais. Et à partir du moment où il y a la fumée, c'est là que je vais saisir mon produit, que j'ai une cuisson quasiment instantanée sur le produit. Si on le met trop tôt, ça. C'est ça. Ah bah là, ça va faire la bouillie. Ça va partir, il va y avoir du gras de partout. Mmh. Justement, le but c'est d'éviter de rendre trop de gras, que le foie gras il puisse garder vraiment sa structure. Donc là, on voit très légèrement. Voilà, ça commence. Ouais. Voilà, là, là en température on est pas mal. Et donc là, on laisse combien de temps? C'est très rapide. Ah ça va être très rapide. Ouais. J'adore ce verre. Donc le foie gras, c'est vraiment sous toutes ses formes. Ah ben c'est un très beau produit. Après, il y a plusieurs. Ce qui est bien, c'est que tu as vraiment plusieurs façons de le préparer, tu as plusieurs façons de l'agrémenter. Ça après c'est chacun ses goûts. Moi je préfère poêler qu'en terrine. Donc tu vois, c'est ce que je te disais, si ta poêle elle est bien chaude, il est vraiment bien saisi, bien doré. Ouais. Après. C'est là aussi ça caramélise. C'est ça. Ouais. Tac. Donc là pareil, le cœur doit rester moelleux. Moelleux. Bah, le but, c'est de vraiment garder la structure de la tranche. Mmh. Voilà. Donc, on va s'occuper de nos petites châtaignes ici. Tac. Et on va mettre le foie gras au four à 180 degrés. D'accord, pour le maintenir. Pour le finir de cuire. Donc moi, grosso modo, je vais le mettre à peu près 2 minutes. 2 minutes à 180, c'est vraiment largement suffisant. D'accord. Alors, donc, on contrôle bien, qu'il n'y ait pas de surcuisson. J'ai mes châtaignes grillées qui vont m'apporter ce goût un peu brioché. J'ai ma purée de marron qui est prête avec elle, ce goût un peu cacao, un peu sous-bois. Ouais. Donc là déjà en bouche, j'ai deux structures toujours autour d'un seul et même produit. Il faut savoir que ton cerveau est capable d'enregistrer trois goûts. Donc là tu en as le foie gras. Je vais juste lui rajouter une chose en plus, c'est l'acidité. Mm-hmm. L'acidité, je vais te l'apporter, on est dans l'époque de la clémentine et de la mandarine. Ouais. Donc là pour le coup avec une mandarine. Ah non, j'ai pas de technique pour éplucher les mandarines. Oh, quel dommage. J'ai essayé, mais ça fonctionne pas. La petite astuce du chef dans l'eau bouillante, ça fonctionne pas. Et donc, le cerveau enregistre jusqu'à trois goûts. Mmh. Au-delà, il sent plus. Il y a tout un travail qui a été fait autour de la mémoire photogustative. La mémoire photogustative, c'est quoi? C'est, faut savoir que jusqu'à tes 25 ans, tu vas accumuler des souvenirs gustatifs que ta famille t'a apporté, tes parents, ta grand-mère, tes amis, tu vas enregistrer. Mmh. Au-dessus de tes 25 ans, c'est terminé. Ta mémoire photogustative est faite. Alors bien sûr, tu vas découvrir certains goûts, certaines choses, mais elle n'enregistrera plus pareil. D'accord. Donc, on va travailler, quand moi je vais travailler sur un plat, je vais généralement travailler sur tes souvenirs d'enfance. Comme je te disais, ta mamie, elle t'a fait des tartines de pain blanc avec du cacao. La mamie, la maman. Ça, la maman, elle a cuisiné un petit peu. Donc moi, je vais travailler là-dessus. Parce que si moi, j'ai besoin de te piquer, je vais te piquer dans tes souvenirs. Faut que ça explose. Après, il faut savoir une chose, c'est que ton cerveau, c'est comme les couleurs. Si je te fais manger une crêpe normale, tu vas pouvoir la manger. Une crêpe avec du colorant jaune, tu vas la manger sans difficulté. Mm-hmm. Je te la mets bleue, tu ne la mangeras pas.
Pourquoi ? Parce que ton cerveau n'imprime pas cette couleur. Ce n'est pas une couleur naturellement alimentaire. Voilà. Ouais. Tu ne peux pas l'associer. Et pourtant, une crêpe verte, tu vas la manger. Donc, ton cerveau, c'est pareil. Au niveau d'un plat, il faut savoir que quand on travaille un plat, pour moi, il ne faut pas dépasser trois goûts différents. D'accord. Trois produits différents. Parce que ces trois produits-là, ton cerveau va pouvoir les imprimer. Mm-hmm. Mais si tu rajoutes un produit supplémentaire dessus, ton cerveau sera complètement perdu. Donc là, on se limite. Voilà, on se limite. Un produit. Un travail, un produit. Mmh. Donc, ma petite Clémentine, une fois que j'ai passé une demi-heure à l'éplucher comme toi, voilà, je vais l'ouvrir et je vais prendre donc par personne trois segments. Je vais prendre trois beaux segments. D'accord. Alors, bien sûr, je vais enlever tous ces petits fils qu'il y a dessus. Je vais mettre mes petites Clémentines dans le fond de ma casserole. Je vais utiliser un vinaigre de vin rouge que je vais mettre dans le fond. Alors, et donc là, de nouveau, j'allume. Ouais, parce que là, si tu les poêles, tu vas obtenir quoi ? Tu vas Elles vont se faire purer. Voilà, elles vont se faire purer et tu vas toucher au segment à l'intérieur. Mm-hmm. Donc, intérêt, zéro. Sauf si tu veux faire de la confiture. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Tu sens là l'odeur ? Pas encore. Là, mets-toi au-dessus, tu vas voir. L'odeur de torréfaction de la... Moi, j'aime bien cette odeur d'agrumes qui est en train de caraméliser. Mm-hmm. Parce que là, clairement, on lui a apporté et une acidité et une caramélisation. Ça sent les pelures d'orange dans la cheminée. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu peux nous citer comme ça, quelques plats un peu fétiches ou un peu fétiches. Alors, des plats signatures, bah, déjà, on travaille beaucoup la châtaigne, forcément. Oui. En Ardèche, on travaille beaucoup la châtaigne, on l'a vu tout à l'heure avec le foie gras. Moi, j'ai vraiment deux signatures, c'est la betterave. Parce que quand arrive la saison de la betterave, ici, vous la trouverez de l'entrée au dessert, mm-hmm. clairement. Parce que me semble qu'il y a entre 15 et 20 sortes de betteraves différentes, avec des textures et des goûts complètement différents. Et j'adore ce légume. Et après, c'est la tomate. Alors la tomate, c'est… je vais reciter ce qu'avait dit un journaliste il n'y a pas longtemps. Avec une tranche de tomate, j'ai réussi à la rendre aussi sexy que Beyoncé. Je pense qu'aujourd'hui, notre métier, c'est ça. C'est faire rêver les gens avec un produit vrai, mais un produit unique. Mm-hmm. Pas l'agrémenter de 50 000 choses où on noie le goût du produit. Je pense qu'à partir du moment où tu as un produit qui est très qualitatif ou qui n'a pas été traité, une belle tomate, quand c'est la période des tomates Saint-Pierre en plein mois de juin, je veux dire, cette tomate, moi, elle me vend du rêve. Et ce rêve qu'elle me vend à moi, c'est ce que je dois demander à toi. Et au fil du temps et au fil des régions, donc tu as dû t'adapter aussi à un lieu que tu connaissais pas, qu'est-ce que tu as apporté Tu t'implantes dans des régions. Je suis parisien, donc je suis allé à Nancy, je suis allé dans le Luberon, je suis arrivé ici. Bien sûr que je me suis adapté, j'ai pas travaillé les mêmes produits. Après, ici, on est quand même une région très riche en flore, clairement, en viande. Moi, la viande ne me parle pas tant que ça, mais quand je vois tous ces légumes, là en ce moment, on a des topinambours, on a des crônes, on a des salsifis, on va cueillir les champignons. Les champignons, c'est quand même juste magique. Donc, quand je vais me balader du côté de Saint-Bonnet-le-Froid, justement, pas loin de chez Monsieur Marcon, je vais me balader dans les forêts et ces odeurs de pin, ces odeurs de sous-bois, tout moi pouvoir te les ramener en cuisine et te créer cette émotion que j'ai ressentie quand je suis monté là-haut par un champignon, j'ai gagné mon pari, je t'ai fait voyager. Mmh. Et quand tu imagines une recette, c'est vraiment quelque chose que tu crées au fur et à mesure ou tu as déjà une image ou une idée non. du rendu non du tout que tu c'est as vraiment je vais prendre devant moi alors dans ma cuisine j'étale tous les produits que j'avais dans la tête tout ce que je voulais travailler et comme je disais je vais prendre un topinambour le topinambour je vais vraiment attendre qu'il me passe quelque chose et quand il m'aura passé quelque chose la dernière fois j'ai pris des topinambours alors on les fait poêler on les cuit à l'eau on les cuit dans des blancs on les dénature tout le temps la dernière fois j'ai simplement pris de la terre et je les ai cuits dans de la terre comme on cuirait dans de l'argile. Mmh. Et j'ai trouvé un tout autre goût que celui que j'ai l'habitude de manger. Et depuis, je cherche au restaurant et je trouve ça juste extraordinaire. Parce que le client mange ça comme un œuf. Donc, on a ce beau topinambour qui est présenté. On le creuse et on va chercher ce topinambour avec un peu de beurre noisette dedans. C'est juste extraordinaire. De la simplicité. Comment tu fais cuire ça Je mets dans de la terre. Si tu veux, je mets de la terre dans le fond d'un bac en métal. Ouais. Donc, je la tasse avec du bouillon de légumes. Je mets mes topinambours, je recouvre de terre et je la laisse cuire à 220 degrés pendant une bonne heure et demie. D'accord. Voilà. Mais tu vas avoir, forcément, il va pomper. Je ne cuisine pas en surplus de sel, je ne cuisine pas mes légumes parce que tout leur univers, il y a déjà du sel dedans. Il y a déjà tout, toutes les dans la fibre, tu vas tout trouver. Donc, pourquoi rajouter ?
pourquoi des tauriens ont un goût alors que tu peux l'avoir au naturel. Donc c'est vraiment le produit en tant que tel. C'est ça. Ouais. D'accord. Mais bien sûr, ta cuisine évolue. Moi, maintenant, j'ai commencé mon métier, j'avais une quinzaine d'années, j'en ai bientôt 35. Forcément, mon métier, ma patte a évolué avec les chefs que j'ai rencontrés, avec les échanges que j'ai eus. Et je pense que la vie, c'est que ça, c'est que de l'échange. Donc depuis même là, depuis que je suis arrivé ici, ma cuisine évolue au fil du temps. Donc justement, sur ton parcours, tu as côtoyé quand même des grands chefs et des grands noms. Des grands noms de cuisine, oui. Ouais. Tu peux nous en parler oui, un petit peu j'ai commencé, et peut-être ce que chacun a pu t'apporter de j'ai été, ma carrière, elle a commencé moi à Paris, donc j'étais au Précathlon avec Frédéric Anton. J'ai travaillé quand même 5 ans pour lui, j'ai commencé en 97, donc c'est un grand monsieur, il m'a appris la rigueur, moi c'est mon maître à penser, c'est la rigueur, la précision, la technicité, parce qu'on ne peut pas, j'estime aujourd'hui qu'on ne peut pas faire notre métier sans un apprentissage clair et où on va nous apprendre la technique. On ne peut pas faire ça sans technique. Les fondamentaux. Après, c'est ça. Et puis après, moi, ce monsieur-là m'a appris la minutie de mon travail. Il m'a vraiment appris à pousser plus loin. Le premier qui m'a fait manger de la betterave, c'était lui. J'avais en sainte horreur la betterave. Mais le jour où il m'a fait sa betterave au comté avec son émulsion d'oignon blanc, waouh, là, j'ai compris. Là. Le goût terne à la betterave avec ce vieux comté qui rehaussait un peu le tout et l'oignon produit de la terre qui venait justement amener une sucrosité, j'ai trouvé ça extraordinaire et c'est là que j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Mm-hmm. Donc après, je suis passé par la maison Prunier aussi, j'étais à la maison dans le parc, je suis allé dans le Luberon, j'ai fait pas mal de petites maisons. Mais à aujourd'hui, voilà où en est ma carrière, je suis au W et tous les jours, je m'éclate dans ce que je fais, quoi. Pour moi, c'est aussi souvent une identité qui vient d'un parcours, d'un passé, hein, qui exprime une personnalité. Justement, toi, qu'est-ce qui t'a amené vers la cuisine? Ouais, moi, mon tout premier souvenir de cuisine, alors forcément, mon oncle est cuisinier, maintenant mon frère l'est aussi. Moi, mon tout premier souvenir de cuisine, c'était ma mamie et ses œufs mimosa. C'est ce que j'expliquais, jusqu'à 25 ans, on se crée sa mémoire photogustative. Et ma grand-mère, effectivement, le premier plat dont je me souviens, c'est quand elle m'a offert un livre que j'ai encore à la maison, et c'est un livre pour les enfants, et on a fait l'œuf mimosa ensemble. Mmh. Et ce souvenir du goût de l'œuf de ma grand-mère, je ne l'ai jamais retrouvé. On ne peut pas le retrouver. C'est aussi très lié à l'affectif. Mais c'est ça. Voilà. Dans la cuisine, c'est quoi? C'est du plaisir, du partage et beaucoup d'amour. Mmh. Donc, c'est ça, passer sa passion, son C'est ce que nous transmettent les mamans. Donc ma mère aussi cuisinait beaucoup. Et forcément, après, avec mon oncle qui cuisinait, on est tombé là-dedans très petit. Ah, donc du coup, toute la famille a plus ou moins suivi. Moi, j'ai jamais voulu faire autre chose. Clairement, j'ai jamais voulu faire autre chose que ce métier. Je ne m'attendais pas à partir sur un côté un peu plus… Mon frère est très traditionnel dans sa cuisine. Ouais. Il travaille avec Bernard Paco à l'Ambroisie. Lui, c'est de la technicité à l'état pur. Moi, j'aime provoquer. Mmh. J'aime provoquer chez les gens ce côté où je vais être piqué par cette cuisine et tu vas te dire mais waouh, il m'a fait manger un radis beurre qui n'a pas du tout la tronche d'un radis beurre, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était ça, j'étais sur la tartine de pain beurre avec le sel et le radis que me donnait ma mamie. Mais alors par contre, ouais, on n'est pas. Enfin, c'est pas ça quoi. Et c'est ça moi qui me plaît. C'est t'emmener dans un voyage. On va juste tailler très finement nos châtaignes, alors à la mandoline, parce que je sais que maintenant il y a beaucoup de gens qui ont des mandolines à la maison. Je pense que c'est beaucoup plus pratique que de le faire au couteau. Tu vas pour les doigts, de toute façon, pour les doigts, de toute façon, tout est risqué. C'est ça. On va ressortir notre purée de châtaigne qui elle a eu le temps de prendre un petit peu. Je vais faire comme une douille à Saint-Honoré, d'accord. Donc, une douille à Saint-Honoré, c'est une douille qui est biaisée. Incurvée, je vais la biaiser, je vais tailler en biais. Et là, c'est mon côté pâtissier qui va ressortir. Faut pas dire ça à Julien, il va être jaloux. Ah, en même temps, on se renie pas. Hein. Non, on se refait pas. On travaillait beaucoup ensemble. On a un travail en symbiose. Ce qui est bien, c'est qu'avec Julien, j'ai juste besoin de le regarder pour qu'il comprenne. Mm-hmm. Il sait à quoi je pense quand je vais créer un plat. Alors, ça l'amuse beaucoup parce qu'il y a des fois, il y a des choses sur lesquelles je vais moi l'emmener là où il s'attend pas. Je vais aller chercher, justement, j'arrive encore à le surprendre sur un truc où il ne s'attendait pas du tout à ce que je l'amène. Comme lui, aujourd'hui, cet été, il m'a sorti un dessert.
et j'ai trouvé ça extraordinaire, c'était une tomate mozza. Ouais. Alors là, une tomate mozza en dessert, je me suis dit, ça y est, ça... Et il m'a sorti un truc qui était juste extraordinaire. Et les clients, c'était un bijou. Son dessert, c'était un vrai bijou. Mais c'était une vraie tomate mozza. J'avais l'impression de manger une tomate mozza. Donc et un là, vrai challenge oui, permanent. Oui, mais c'est ça. Forcément, on se tire la bourre tous les deux. Alors, avec Edouard, on s'entend toujours sur, au moment où on fait un menu, à chaque fois qu'on change la carte, on s'entend sur un produit. Cet été, par exemple, c'était la tomate. Donc, Edouard nous a fait une tomate en entrée, il nous a fait un plat. Il était parti sur son plat avec la tomate. Et moi, je devais justement utiliser la tomate en dessert. Donc, on essaie toujours de trouver une solution pour pouvoir avoir un thème, un fil conducteur et ouais. On part sur autre chose. Là, c'est la châtaigne actuellement. Donc, en fonction de la région, bien entendu. Et en même temps, on essaie toujours de trouver pour qu'il y ait un lien, pour que la personne qui se dise à ce moment-là, c'est pas un chef cuisinier, c'est pas un chef pâtissier, c'est une équipe. Ouais. Et c'est comme ça qu'on travaille. Mais sinon, on s'entend, on goûte. Moi, je sais que Edouard vient de temps en temps, il traverse la cuisine parce que je suis au fin fond de la cuisine. Donc, il vient me voir avec sa cuillère et il traverse toute la cuisine. Il vient me faire goûter quelque chose. Ou alors, moi, quand j'ai un doute, je lui demande aussi. Et c'est un échange. Et je pense que pour moi, la restauration, enfin la cuisine, c'est un échange. Que ça se passe entre la cuisine et la salle, que ça se passe entre la cuisine et la pâtisserie, que ça se passe entre la pâtisserie et la salle, c'est toujours un échange. C'est une aventure humaine et on doit échanger parce que si on reste enfermé, si on a sa propre vision des choses, on perd vite pied et on se déconnecte très vite de la réalité. Mm-hmm. Donc c'est bien d'avoir des œils extérieurs. Ouais. Là, j'ai joué sur du sucre, du sel, de l'acidité. Mm-hmm. Là déjà, ton palais va avoir à travailler. Après, tu vas apporter du gras, quelque chose de très suave en bouche qui va te graisser le palais, clairement avec le foie gras. Tu vas avoir du mou, du croquant, du dur en dessous, du froid, du chaud. Et je te rajoute un gel de châtaigne. Ouais. Alors, pour faire un gel de châtaigne, c'est pas très compliqué. Il faut acheter de la crème de châtaigne. Maintenant, dans tous les bons commerces, on trouve de l'agar. Je mets 5 grammes, je mets à bouillir ma crème de châtaigne, 5 grammes d'agar par litre et j'ai ça. Donc ça, je vais faire des tout petits points de châtaigne dessus et je vais aller chercher mon foie gras dans le four pour le rajouter. Donc ouais, l'agar, il faut y aller mollo parce molo. Que ça a vite tendance à ça a vite tendance figer à monter énormément. En température. À figer et après t'as pas un rendu exceptionnel. Donc là c'est des feuilles de. Là je vais t'amener de l'amertume. Pareil, je vais te rehausser la mandarine, c'est du radis noir. Hop, mon foie gras, je vais le récupérer. Et on va terminer notre assiette avec. Hop. Ouais, donc là, on voit qu'il a. Ah, il a bien gardé sa structure. Par contre, il est beaucoup plus. Il a pris un petit peu notre. C'est ça. Notre consistance, en fait. Voilà. Là-dessus, je vais mettre deux cristaux. Alors, moi, j'utilise en sel. Généralement, j'utilise des cristaux de sel fumé. Parce que j'aime beaucoup ce genre de sel-là. Ça change un peu de ce qu'on peut avoir d'habitude. Tac. Et, voilà. Et donc là, tu as une assiette autour de la châtaigne et du foie gras. Donc bah, du coup, on ira voir tout à l'heure aussi Julien et faire des recettes avec lui, des recettes sucrées. Voilà. Mmh. Donc le rocher qu'on sert le soir, donc c'est un dessert justement, où, comme j'expliquais tout à l'heure, ce fameux champ lexical où on va essayer de comprendre comment le rocher a été construit, comment on arrive à véhiculer quelque chose avec quelqu'un de différentes façons. Donc là, très gourmand, je suppose. Très gourmand, du chocolat, de la noisette, vraiment les choses qui... Gourmand. Bon. Moins réfléchi, vraiment plaisir pour le plaisir. Ben, on va pas aller voir ça. C'est parti. Donc c'est parti, du coup, pour la recette du rocher. Ouais. C'est ça. Alors, par quoi on commence ? Par quoi on commence ? Donc là, ce qu'on a derrière, en fait, on fait monter notre crème, parce que forcément, on va être sur une base mousseuse. À ce moment-là, on va faire chauffer notre lait, pareil. Ouais. Moi, j'utilise du lait entier. Juste pour faire fondre notre gélatine, et c'est cette base-là, c'est notre lait avec l'ajout de gélatine qu'on va verser sur notre chocolat pour le faire fondre. Donc la gélatine, c'est des feuilles ? C'est de la feuille de gélatine. Là, on utilise de la gold parce qu'il faut savoir que normalement, la gélatine, on a différentes classifications. Ouais. Donc parce qu'elles prennent plus ou moins, on appelle ça les blooms.
Donc c'est ce qui nous permet de savoir à peu près où est-ce qu'on se situe. Là, on est sur de la gold. C'est celle que j'utilise principalement en pâtisserie parce que je trouve que c'est le bon rapport. Parce qu'il y en a certaines, comme les silver, où, qui ont un pouvoir moins fort, donc il faut en mettre plus. Et on a surtout ce côté très gélatineux qu'on retrouve après dans les mousses, ce côté très compact. Et moi, j'aime bien quand tout est léger. Donc c'est ce que je préfère. Je pense que c'est le meilleur compromis qu'on peut trouver en pâtisserie. Du coup, pour faire les mousses, vous utilisez toujours que de la gélatine ou de l'agar-agar aussi? Agar-agar de temps en temps, ou alors il y a des fois où, par exemple, quand on fait des crèmes montées, on utilise juste le pouvoir du chocolat. Ouais. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on met en la teneur du chocolat, la teneur de beurre de cacao qu'il a dedans également, c'est forcément un gélifiant naturel. Ouais. Par contre, là, c'est quand on travaille d'autres choses. Là, pour une mousse, on a besoin de ce côté gélatineux parce que la gélatine, justement, va nous permettre de garder la forme qu'on veut mettre au moment où on l'a moulée. Les gélatines, il y a aussi sous plusieurs formes. Vous utilisez que on la trouve en poudre. Alors on la trouve en poudre. La poudre, on l'utilise différemment. C'est-à-dire que par exemple, quand on fait des nappages, on utilise de la gélatine en poudre. Donc on fait ce qu'on appelle une gélatine masse. Où on ajoute de l'eau, on la fait prendre. Une fois qu'elle est prise, on prend notre bloc de gélatine qu'on ajoute. D'accord. Ça, c'est plus intéressant. Après, on a l'agar. Je sais que nous, en pâtisserie, là, actuellement, on travaille avec le gélant, on travaille avec l'agar-agar, on travaille avec la capa caragena, on travaille toutes les gélatines parce que chacune a sa spécificité. Mm-hmm. Elle apporte une texture aussi un peu différente. Exactement. Selon le. L'agar-agar est plus dense. Moi, ouais. C'est vrai que des fois, quand on fait des mousses à l'agar-agar, on a ce côté vraiment très. Ouais. On la met dedans. On verse donc sur le chocolat. Directement, la crème, elle est bonne. Et là, en fait, on va mélanger notre chocolat. Donc, le but, c'est de faire des petits cercles au centre pour pouvoir avoir ce qu'on appelle, nous, un noyau élastique. Et c'est ce noyau élastique qui va nous justement déterminer si l'émulsion a prise entre le lait et le chocolat. Et c'est ça qui va faire que est-ce que notre mousse va trancher ou pas plus tard. Tout est là. D'accord. Et on verse tout d'un coup. On verse tout d'un coup. Tout d'un coup, parce que là, c'est le lait bouillant qui va faire fondre notre chocolat. C'est pas comme si on utilisait, par exemple, un chocolat fondu où on va faire un ajout. Là, l'émulsion est différente. Il faut la mettre en trois fois. D'accord. Parce que justement, on a deux éléments qui sont chauds. Là, on a un élément chaud, un élément froid. Okay. Et c'est le fait de tout mettre d'un coup fait justement que l'émulsion va opérer. Effectivement, c'est plein de petits détails en pâtisserie. C'est ça qui est marrant. Faut que ça marche. C'est ça qui est marrant. Ouais. Moi, j'adore ça, en fait, comprendre pourquoi. Et c'est vrai que des fois, on est devant des problèmes. Alors, on demande des renseignements à d'autres. On parle beaucoup entre nous. Et c'est ce que j'aime aussi en pâtisserie, c'est que des fois, les mecs, les cuisiniers, ils sont vraiment du genre, je te donnerai ma recette que sur mon lit de mort. alors qu'en pâtisserie, on est plus dans le partage. D'accord. On partage des idées, on partage des recettes. Et c'est ce que je préfère aussi. Sur la crème, quand on la monte, jusqu'à quelle consistance ? Alors moi, la crème, surtout pour une mousse, quand il s'agit... En fait, ça dépend. On a différentes propositions. Là, par exemple, la consistance là, c'est justement une mousse qui est encore... qui bouge. D'accord. Elle est encore... C'est pas une crème pas vraiment dense, très prise. Parce que justement, plus la crème... Il faut qu'elle ait cette texture mousseuse, mais il faut en même temps que cette crème soit suffisamment liquide parce qu'on va faire un moulage. Donc si on veut vraiment, là on va faire une forme simple, c'est-à-dire une forme ronde, mais des fois on a des formes complexes. Tout ce qui est à base d'angle droit, par exemple, si la mousse est trop serrée, elle est vraiment trop serrée, on n'aura pas quelque chose de lisse et net au moment où on va démouler. D'accord. Donc la première fois, là je vais la mettre en trois fois. La première fois, je vais la mettre au fouet. Tout simplement pour faire encore une fois cette émulsion, pour faire en sorte que la crème avec notre mélange chocolat-lait va pouvoir prendre. Donc je la fais au fouet. Et là, on le verra peut-être un peu mieux, le noyau élastique. On commence à voir là tout doucement au centre. Voilà. Et une fois qu'on voit que notre crème est quasiment dissoute, on élargit. Et là, on voit vraiment que le noyau a pris place. Et là, maintenant, c'est la crème. Toute la mousse, voilà. Et là, l'émulsion, elle s'est stabilisée, elle a pris place partout. Et là, je vais pouvoir ajouter ma crème plus facilement. D'accord. Donc là, les autres, les deux et troisième fois, je vais les faire à la spatule. Ça, c'est juste pour éviter justement de trop faire retomber ma crème. Ouais. Et en même temps, des fois, on la fait retomber. Donc on a un mélange qui... c'est plus pour les meringues, mais c'est un mélange qui sera beaucoup plus ferme. Par contre, là, avec le fouet, si on monte un peu trop aussi, c'est ce qui va faire qu'on va la serrer encore un peu plus. D'accord. Là, c'est toujours le même principe, toujours mélanger du centre vers l'extérieur. Donc on garde quand même ce mouvement circulaire, on ne soulève pas comme pour les blancs, par exemple. C'est ça, voilà, pour éviter de les casser. D'accord. Là, le but, c'est qu'on veut vraiment réaliser une émulsion quasi parfaite, mais la meringue, c'est différent, parce que vu qu'on ne doit pas éviter de casser, on doit justement faire en sorte que la meringue ne se dissocie pas trop dans l'appareil. Ça fait aussi partie des petits couacs
de la pâtisserie. Et ça, c'est ce que des fois le je reproche. Le coup de ouais. spatule de trop c'est et ça. Qui fait que c'est mort. Et c'est ce que je reproche des fois dans certains livres, c'est qu'on vous dit, je vous donnerai toutes mes techniques, tous mes conseils, mais c'est le genre de truc qu'on ne donne pas au public et c'est ce qui fait que bah, des fois, pourquoi chez lui ça marche et moi ça marche pas quoi. Après, c'est aussi en faisant qu'on se rend compte c'est effectivement. Voilà, c'est quand on a loupé quelques c'est fois, c'est ça. On ajuste. Et Mais de ce que maintenant j'observe de mon métier, c'est que la pâtisserie et la cuisine, c'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que demain, n'importe qui, je veux dire, si demain, n'importe qui plaque son métier et se dit « tiens, je veux me lancer dans la cuisine », il fait 2 ans d'études, un gamin qui sort de 3e en 2 ans d'études, il peut être considéré comme un professionnel après son CAP. Donc c'est pas un métier où par exemple quand vous êtes médecin, vous êtes obligé de faire un doctorat, puis après une spécialisation. C'est un métier qui se sent, qui s'apprend, qui justement, il suffit juste d'être logique. Si on est passionné, si on est intéressé par ce qu'on fait, si on essaie de savoir pourquoi, comment, on a vite des réponses et une fois qu'on a les réponses sur nos questions, eh ben on n'a plus bah, ce sentiment de rater, de se dire « Ah bah tiens, à ce moment-là, pourquoi ça marche pas? Pourquoi là ça marche ?» Et c'est plus facile quoi, mais il faut toujours vouloir creuser et aller plus loin. Quoi. Mm-hmm. Elle est super onctueuse là. Ouais, là c'est vraiment, c'est comme je disais, c'est vraiment on est sur une texture mousseuse, on est sur une mousse, mais par contre, on est vraiment encore liquide. Et là, c'est vraiment une mousse pour faire du moulage. Mm-hmm. Donc pour l'insert, je vais avoir besoin. Alors ça, c'est un nappage magnum. Un nappage magnum, c'est tout simplement le mélange d'un chocolat noir et d'un beurre de cacao. D'accord. Le beurre de cacao additionné au chocolat noir va faire que le chocolat noir bah, ne va pas avoir une couche aussi épaisse que quand on fait tabler du chocolat. Ouais. Le beurre de cacao va rendre justement le chocolat noir plus liquide. Ouais. C'est ce qui fait qu'au moment où il va couler sur la mousse, la pellicule qui va l'enrober va être vraiment très très fine. D'accord. Donc l'insert. Donc ça, c'est notre ganache à la vanille chocolat blanc qui enferme déjà le cœur coulant en caramel. Je le retire du moule. Donc là, c'est les boules complètes. On va la ressortir. Donc ça fiche vite. Ça fiche très vite. Gelée. Voilà. Et à ce moment-là, on a un nappage magnum. Il suffit juste de casser un peu et on va se retrouver, une fois que tout sera décongelé, avec quelque chose de très cassant. Et c'est ce qui va faire le côté facile. Vraiment soyeuse. Alors c'est le même moule que le petit qui m'a servi à faire les inserts. Mm-hmm. C'est un moule en 3D, donc on a justement le petit col qui va nous donner cet aspect un peu sphérique. Et on va tout simplement mouler. Elle est bonne. Donc on en met. On n'hésite vraiment pas. Moi je le mets pratiquement hors bord. Et après je vais chemiser. Ça, c'est quelque chose que des fois, bah, surtout nous les petits, quand ils arrivent ici et qu'ils ont des fois un peu tendance à oublier, c'est qu'il faut chemiser en fait. Ce qu'on appelle chemiser, c'est mettre de la mousse tout autour du moule, parce qu'au moment où on va mettre l'insert, on n'aura pas de bulles d'air qui vont se dégager. Donc moi, je tape un peu. Comme ça, si j'ai des bulles d'air à ce moment-là, eh ben, au moins, je sais qu'elles vont remonter à la surface. Mm-hmm. J'y mets mon insert. Qui descend tout seul, il va s'arrêter à un moment. Voilà, juste un chouïa de mousse, comme ça. Et ça, après, une fois que c'est comme ça, je le mets au congèle. Le temps de prise, c'est dans une cellule ou alors dans un congélateur lambda, on va dire, moi, je laisse une nuit. Parce que là, il va falloir le démouler, il faut vraiment que l'appareil soit très, très froid. Vraiment, là, c'est quelque chose qui, moi, me semble important. Ça nous donne ça. À la fin, une fois que c'est décongelé, on a ce début de sphère, on a un socle, mais c'est quelque chose qui va vite être comblé parce qu'on va tout simplement, hop, le mettre après dans les noisettes torréfiées. C'est des noisettes concassées torréfiées. Mm-hmm. Donc c'est le même principe. On les met là-dessus. On remet dans le nappage magnum. Et là, par contre, il va falloir aller assez vite parce que le nappage magnum, comme on l'a vu tout à l'heure, il prend facilement. Ouais. Et on enrobe. Voilà, on a notre sphère. On va faire un petit rappel du rocher. Célèbre rocher. Voilà, du célèbre rocher. Mais alors, format XXL. XXXL. La poudre d'or.
Ah ouais. Et on le ramène comme ça. Donc là, c'est vraiment le bijou dans l'assiette, quoi. On est vraiment là-dessus, mais c'est-à-dire que la personne, à ce moment-là, au moment où elle se retrouve avec son assiette, c'est elle et le dessert. C'est un moment, c'est ce que j'aime dans la pâtisserie, c'est un moment qui se partage entre vous et vous-même. Donc déjà, vous êtes dans une condition où la gourmandise voilà, un peu honteuse. C'est ça. Et on se dit, bon ben, j'y suis, mais je regrette pas. Et c'est ça que j'aime aussi au niveau des desserts, c'est qu'on se dit, ok, mais il faut que le goût soit là. Ça, on va le goûter après. Et si le goût est là, on est bon. C'est magnifique. Et alors, comment tu définirais justement ta pâtisserie, quelle émotion tu cherches à mettre dedans, qu'est-ce qui t'anime justement Moi, c'est la gourmandise. Après, on va peut-être croire que j'ai beaucoup de principes, mais quand je fais un dessert, je pars encore une fois de ça, c'est que la personne vient au restaurant pour manger. Elle vient pour manger un plat. Donc, si elle veut une entrée, c'est parce qu'elle a vraiment très faim. Si elle veut un dessert, c'est parce qu'elle est gourmande. Donc, je me dis, on vient essentiellement dans un restaurant pour manger un plat. Si je veux un dessert, c'est allez, foutu pour foutu, je sais que de toute façon, ça va me rester tombé, ça va me rester coincé, il n'y a pas de problème, je vais devoir faire du sport pendant 4 jours, mais foutu pour foutu, je prends un dessert. Et à ce moment-là, je me dis que si la personne qui prend un dessert, je ne veux pas qu'elle regrette. Mais en même temps, je veux garder une subtilité dans le dessert, je ne veux pas que la personne se dise « Oh, il y avait trop de sucre, j'aurais peut-être pas dû. » Je veux que la personne sorte du restaurant en ayant cette dernière impression en disant « J'ai pris un dessert, je vais peut-être le regretter demain quand je rentrerai plus dans mon jeans, mais en attendant, je suis content d'avoir voulu prendre ce risque ou alors d'avoir écouté mon instinct. » Et c'est comme ça, donc c'est encore une autre réflexion, mais c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est quand, par exemple, quand je parle avec les stagiaires avec qui viennent avec nous, les apprentis ou alors même encore avec Pauline, quand on crée un dessert ou quand on le sert, on pense tout de suite, voilà, c'est le maître mot, c'est la générosité. Parce que la personne, à ce moment-là, le dessert, le sucre, ça nous fait automatiquement appel. Ça a des sentiments de joie quand on est dépressif, on a toujours envie de manger un petit carré de chocolat. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à trouver les choses pour se dire, ok, je me laisse aller, je me laisse faire. C'est et le à plaisir, nous, voilà, ouais. C'est le plaisir, c'est juste du plaisir. Et c'est comme ça que j'aborde la pâtisserie, c'est toujours pour donner du plaisir aux gens. Je veux pas me faire plaisir à moi-même en me disant tiens, j'ai envie de travailler ça, je vais le travailler comme ça, je vois que tout le monde fait ça, donc je vais faire pareil parce que j'ai envie de montrer que je suis capable d'eux. Non. Des fois, des plaisirs plus simples, c'est ce qui anime plus les gens. Moi, je suis quelqu'un de simple, j'ai pas besoin d'avoir des trucs extravagants. Donc ma pâtisserie, elle est simple et elle essaie de parler au plus grand. Touche au but, quoi. Et voilà, elle est assez directe. Ouais. Alors, est-ce que tu as un conseil sens de d'attaque? Ouais. Alors, non, parce que j'aime pas les conseils d'attaque dans une assiette. Ça sert, pour moi, ça sert strictement à rien. Si tu me fais une assiette, c'est tout va aller ensemble. Donc, des conseils d'attaque, ouais, fais-toi plaisir. Vas-y. Ok. C'est ça. Ok. Bon. Alors. Je fais ma petite mixture, hein. La pâte de châtaigne est vraiment très intense en fait en goût. Et comme je te disais, tu vois, tous les éléments se marient sans prendre, vu que tu n'en as pas plus de trois, sans prendre l'un plus que l'autre. Effectivement, le côté acidulé, on le ressent d'autant plus le côté acidulé une fois qu'il y a le foie gras en fait. C'est vraiment. Oui, parce que c'est ce que je t'expliquais, le foie gras va vraiment graisser le palais et te permettre justement à développer le reste de tes pâtes. C'est vraiment du coup une combinaison, faut tout goûter ensemble quoi. On fait quand on servait le rocher, c'est-à-dire qu'on a un marteau de rhinoplastie, un marteau chromé, et en fait au moment où on sert l'assiette, on donne un coup de marteau pour donner la première impulsion au client, et puis après lui il se démerde. Ok, lui il ramasse les morceaux. Ouais, parce que la plupart du temps les mecs ils sont comme ça, alors ils y vont limite comme ça, puis après le rocher il se balade dans l'assiette et tout, donc des fois c'est un peu la galère. Ah oui, la première impulsion, et après ça vous fait. Ah oui, il est bien. Ah, il est encore un peu dur, je pense. Voilà.
pas bon, hein. Du tout. Ouais, c'est pas bon, hein. C'est bon, là, il est vraiment, ça se voit, c'est toi qui en a, parce que la crème, on sent, elle est pas, normalement, c'est censé être bon.